moi je suis la cinquième génération sur cette exploitation. Avec mon fils, l'ancien grec, donc ça fait la sixième pour lui, avec lui. L'exploitation, ça se présente, mais il y a la traite à faire matin et soir. Hein, donc c'est 2 heures avec les veaux, c'est pratiquement 2 heures et demie de travail entre la traite et le soin des veaux, puisqu'on a du vélage toute l'année, pour avoir du lait un peu toute l'année et pour faire la transformation aussi. Le poste le plus contraignant, c'est la traite. C'est très plaisant à faire, mais bon, ben voilà, il faut le faire. Alors après, ben, il y a le soin des vaches, il y a nettoyer les vaches, bien sûr, leur donner à manger, leur porter le maximum de bons produits pour qu'elles soient bien. Pour une exploitation avec 60 laitières, s'il n'y en a qu'un qui fait tout le boulot, il fait pratiquement 9 à 10 heures de travail dans la journée, quoi, pour s'occuper rien que des animaux. Et ça, c'est un travail qu'on ne peut pas... qu'il faut faire 365 jours sur 365, donc si c'est pas nous, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'exploitation qui le fasse, ou voir s'il y a du service de remplacement en lui aidant, parce que bon, ça fait quand même pas mal de travail, et les laitières, c'est délicat quand on veut travailler comme il faut, avec du bon lait. Allez vous promener. Donc on a toujours fait de l'agriculture raisonnée, les vaches, on a donné un peu d'ensilage, maintenant on est beaucoup à base de foin. Donc le troupeau, on soigne les vaches par homéopathie, quand on peut, le plus tôt possible. C'est assez long comme travail parce qu'il faut un peu deviner quand elle n'est pas bien pour la soigner de bonne heure, pour pouvoir que ça agisse sur le comportement de la vache et voilà, que ça travaille, que la flore travaille et qu'elle ait beaucoup de défense immunitaire en fait pour qu'elle puisse lutter contre ce qu'elle peut arriver. On fait de la transformation. Bon, on n'est pas, dans une industrie, hein, c'est toujours de la transformation à la main, c'est ma femme qui fait ça, heureusement, et ça lui plaît. On a décidé de faire de la vente directe parce que pour avoir un peu mieux de revenus. C'est vrai que c'est beaucoup d'heures de travail pour préparer les produits, les emballer, aller les vendre. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très, très plaisant parce que quand on va amener les clients viennent, ils sont contents. Donc ça nous fait un petit peu de chaleur au cœur. Et puis voilà, donc ça nous aide à continuer. Ça nous donne un peu de courage pendant un moment. C'est quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. Parce que ce contact, ce rapport direct avec le client, on travaille, il y a un vrai travail derrière, un produit fini, et il y a une reconnaissance. Ça, c'est une richesse qu'on ne peut pas partager, quoi. Je veux dire, elle est pour toi, elle est riche. On a besoin d'être fier de ce qu'on fait. On produit un litre de lait, c'est du travail de chaque jour. Et on a besoin d'une reconnaissance au bout du compte pour que dans le porte-monnaie, à la fin du mois, ben oui, quoi, on ait la fierté d'un produit, qu'on ait bien fait et qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Et avec cette vente, ce produit-là, on ne va pas aller passer 3 semaines au Baléares ou je ne sais où. Non, on va faire vivre le service de remplacement, on va faire vivre le marchand de matériel, on va améliorer les semences, on va réinvestir. Donc le principe c'est quoi? C'est de pouvoir faire du foin de qualité et surtout avec plus de souplesse. C'est toute une technique un peu à apprendre, c'est un petit peu différent, mais voilà, ça apporte de la souplesse et puis après en distribution aussi. Et puis en qualité normalement aussi puisqu'on ramasse du fourrage un peu plus précoce. Le but est vraiment de le ramasser le plus sec possible, mais c'est la garantie, entre guillemets, de pouvoir quand même le récolter ou quand il y a un orage, souvent chez nous c'est comme ça, de pouvoir le ramasser, quoi. C'est-à-dire on le laisserait plus longtemps et puis mince, ça menace, eh ben, il faut le rentrer. Donc on le rentre et il finit de ventiler ici. Ça simplifie beaucoup le travail et ça, c'est du travail qui est plus confortable, quoi, et moins pénible. C'était le but, bon, de faire un bâtiment neuf, sinon ça n'a plus aucune raison. Là, vous voyez, il y a le poteau là-bas, le tracteur. Donc là, si vous prenez avec le poteau là-bas, c'est l'endroit où était le tracteur et commencez maintenant, quoi.
Je voyais c'était des terrains relativement accessibles et envahis par des grands genêts, voilà, aussi haut que la cabine du tracteur. Ils avaient environ 3-4 mètres de haut. J'étais vers le poteau là-bas, vous voyez comme c'est envahi, puis regardez maintenant. Voilà, ça descendait jusqu'en bas, quoi, au niveau du poteau. J'ai tout défriché avec le tracteur et le godet. J'ai arraché les genêts, fait brûler les genêts. Et puis après, ben, il a fallu travailler le sol, passer le rotavator, labourer, semer les prairies. Alors on y a fait remettre des céréales, remettre une autre fois de prairies, parce que bon, le sol, il a quand même, quand il est resté longtemps comme ça en friche avec des genêts et des fougères, il faut le travailler relativement 2-3 fois pour pouvoir arriver à faire quelque chose et avoir une prairie après qui, comme vous la voyez maintenant. Voilà. Donc ça a permis d'agrandir un peu l'exploitation et en même temps de nettoyer et faire un paysage qui soit beau et avec de l'herbe, voilà, qu'on puisse faire manger les vaches, qu'on puisse ramasser du foin. Occasionnellement, on fait tourner un service de remplacement. Donc on a plusieurs exploitations à s'engager, à faire tourner le salarié toute l'année. Le service de remplacement, c'est une association qui regroupe deux groupes de personnes, donc des utilisateurs, en l'occurrence des chefs d'exploitation agricoles, et de l'autre côté, des salariés qui sont mis à disposition de ces mêmes agriculteurs pour pouvoir se libérer du temps. Alors du temps pour prendre des responsabilités, pour pouvoir faire avancer le monde agricole dans son ensemble. Le temps, c'est aussi aller en formation, c'est éventuellement, malheureusement, être malade, être accidenté. Et puis le côté plaisir, c'est pouvoir prendre des congés. Et puis pour les mamans, et maintenant pour les papas, c'est vraiment le congé maternité et paternité. Donc les agriculteurs font appel à nous et donc on programme par rapport aux salariés que nous avons, leur capacité, puisque tout le monde n'a pas les mêmes capacités évidemment. Si je sais bien traire, on va éviter de le mettre chez un moutonnier, on mettra quelqu'un qui est spécialisé dans les moutons là. Donc on est un petit groupe sur le terrain qui décidons de l'organisation de ces plannings, qu'on envoie aux salariés, qu'on envoie aux agriculteurs, et tout le monde sait qui fait quoi à quel moment. On a, je pense, entre 130 salariés au niveau du département, 80 CDI, quelque chose comme ça, qui sont en temps plein. C'est une structure qui pèse dans l'agriculture départementale et qui a toute sa place et qui est en constant développement. J'étais en stage à côté, dans le Puy-de-Dôme, à Celles-sur-du-Rol. Et c'est plus ou moins mes maîtres de stage qui m'ont conseillé de venir rentrer pour venir au service d'emplacement dans le Puy-de-Dôme. Donc j'ai appelé Madame Guélon et ça s'est très vite passé. 3 jours après, je crois que j'attaquais la première mission. En moyenne, je fais en 3-4 exploitations par semaine. Bon, ben maintenant, je connais tous les éleveurs où c'est que je vais, donc je suis habitué. Mais au début, faut savoir s'habituer à chaque gars. C'est un contrat à 39 heures, ouais. Donc c'est tout le temps, j'ai tout le temps un temps plein, oui. Le minimum, c'est 1005, 1006 et le maxi, 2000 par là, quoi. 2000, ouais. Ouais, je voudrais m'installer, ouais. Chez moi, peut-être avec mes oncles. Travailler pour soi, ou... c'est pas pareil. C'est plus enrichissant, je pense. Enfin, là, c'est bien tant qu'on est jeune, mais pour, je voudrais pas faire toute ma vie. Tu te lèves le matin, dire c'est pour moi ce que je fais, quoi. Si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait. Donc, il y a un challenge dans l'entente familiale au niveau du GAEC, qui peut ne pas être familiale d'ailleurs, mais enfin, en tout cas. La priorité, c'est l'entente, vraiment. Les concessions, savoir avoir chacun son espace, respecter l'autre, accepter qu'il fasse des erreurs, que l'on aurait pu faire aussi. Après, bon, voilà. Et après aussi se donner des barrières, hein. On a des limites. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sur une exploitation laitière, il y a trop de risques à être tout seul. Trop de risques et trop de charges. Donc il est important de se regrouper pour pouvoir qu'il y ait une distribution des tâches et aussi un partage. Donc si on est une société, eh ben, on travaille comme une société. Il y a des parts, quelqu'un peut venir remplacer un associé qui s'en va. Après, avoir un dimanche sur deux par exemple, mais c'est plus que nécessaire quand on sait qu'on fait des moyennes de 12 heures par jour quand même. Quand on part en vacances, c'est pareil. Un GAEC, ça veut dire qu'il y a encore quelqu'un ici qui supervise, qui est là pour les coups durs. Donc quand on s'en va, on est tranquille, quoi. On peut se décharger. Et c'est bien pour le salarié aussi de savoir qu'il a quelqu'un sur qui compter. Alors, c'est pas facile en société, hein. Je parlais tout à l'heure de l'entente et tout ça, c'est sûr. Mais
le challenge est là et je crois qu'il faut le relever. Je pense que l'entraide existe encore au niveau, on va dire, humain. La grêle, ça a été un moment difficile. Hein. En une demi-heure, vous perdez tout ce qui est au sol et nous, on a pas mal de choses au sol. Et donc les foins étaient vraiment endommagés, enfin la récolte future. Et donc ce voisin est venu en disant, moi je vais prendre ma retraite, j'ai diminué mon nombre de bêtes, j'ai des hectares à disposition, et ben voilà, je te donne le foin. Et ça, effectivement, c'est un côté encore très humain du monde agricole, parce que justement, je pense, on travaille avec la nature et on connaît ce lien qui nous unit avec elle et la fragilité qui en dépend. Mais c'est vrai qu'on est des hommes et des femmes pour s'entraider et partager à ce niveau-là. Je pense qu'il ne faut pas faire ce métier si ce n'est pas un métier passion. C'est vrai, si vous venez à l'agriculture, si c'est pour écouter les oiseaux chanter et les petits papillons, ça ne va pas gazer. Il faut être un manuel, un intellectuel, un technicien, pour ce qui nous concerne, un transformateur, un vendeur, un comptable, voilà. Et merveille. Pas beau ça? Alors ça s'appelle le beurre au grain de riz. Ça veut dire que là, maintenant, on va pouvoir le laver. Il n'y a rien de secret, c'est juste le lavage. Il faut qu'on le lave, que quand je vais mettre mon eau là pour le laver, eh bien, elle va sortir de tout nickel. Je ne suis pas du monde agricole. Hein. J'ai épousé un mari et l'agriculture, ça va faire 40 ans. Alors je crois que je peux vous parler en connaissance de cause. Franchement, je n'ai jamais regretté d'avoir quitté mon métier de comptable. Parce qu'ici, il y a d'autres accroches. Quoi. Et une fois qu'on y a planté le bout de ses pieds, on est enraciné, si on veut y croire, en dehors du côté financier. Parce que si on voit que ça, c'est sûr, là, il ne faut même pas commencer. Mais il y a des richesses qu'on ne trouve pas ailleurs, j'en suis sûre. Si on peut éviter cette pénibilité du travail, si la technicité informatique peut nous aider à gérer des documents comptables, des documents financiers, nous aider pour ce qui est des céréaliers, dans la plantation de leurs céréales, etc., c'est pas aller à l'encontre du monde agricole, ça. Au contraire, c'est vivre avec et le faire évoluer dans le respect de la nature et des hommes qui y vivent. Je pense qu'on vit avec son temps. Et il n'y a pas de raison que le monde agricole soit en décalé avec le monde salarié, le monde extérieur. Bien sûr, on a des techniques qui ont évolué, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui ont mis au point certaines méthodes. Et je pense qu'il faut pouvoir utiliser le matériel et les mécanismes nouveaux. On est en train de construire un nouveau bâtiment, bientôt on va passer, on est en conversion bio, et aussi on va mettre un robot. Pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Les vaches vont continuer d'aller pâturer, mais elles seront traites par un robot. Et pour avoir traité les vaches pendant des années, deux fois par jour, 365 jours par an, je vais vous dire que c'est une révolution que j'attends. Le bio, je pense qu'on a une carte à jouer sur le bio dans des zones comme chez nous. C'est des conditions qui sont plus dures, vous voyez bien, on est plus haut en altitude. Les terrains sont plus difficiles, il faut plus de chevaux par rapport à ce qu'il nous faudrait, puisqu'il y a la pente, il y a la montée, il faut des terrains, des machines un peu spécifiques, pas des épandeurs de je ne sais pas combien de tonnes, sinon tu verses. C'est tout qui coûte plus cher quand on fait des petits bouts par rapport à un grand bout, des bouts tordus par rapport à un bout carré. Enfin bon, ça va vite, quoi, mais les charges de toute façon, ça c'est incompressible. Quoi. C'est plus difficile de venir collecter le lait. Là, ça va qu'on a la coopérative et tout, ils viennent bien chercher le lait, bien sûr, ils n'ont pas trop le choix. Mais des privés, ils n'en ont plus rien à foutre. Hein. Ils ne vont pas venir se faire chier à ramasser 2000 litres de lait, là, alors qu'à l'hiver, il faut mettre les chaînes, il faut... Non, ça ne marche plus. À un moment donné, tu auras envie de concret, quoi, parce que, bon, c'est tout. C'est quand il y a des trucs pour aider les agriculteurs, ben, on est là, on est derrière eux. Quand il y a des jeunes qui veulent s'installer, ben, on soutient les projets. On va essayer d'empêcher de planter dans un rayon de... Voilà, vous prenez une exploitation, vous faites un entre guillemets, enfin bon, il faut regarder, il ne faut pas faire des cartes, mais vous faites un cercle un peu autour, et puis voilà, ben, cette zone-là, elle est préservée, et dès qu'il y a une vente qui peut se faire, et ben non, hop, on bloque. S'il y a des trucs à dessoucher, et ben on aide pour dessoucher ces terrains, mais vraiment mieux. Voilà, je pense que si on veut garder un tissu un petit peu d'agriculteur,
ça va pas être facile, hein, et il va falloir que tout le monde prenne conscience et que ça tire dans le même sens, quoi. Hein. Mais je veux dire, sur des choses comme ça, voilà, avec vraiment du soutien, même déjà du soutien aussi technique, mais vraiment des choses techniques, quoi. Peut-être plus communiquer sur des choses de terroir, etc., pour favoriser les choses, bon. Si on ne parle pas entre nous, si on ne trouve pas à un moment donné une écoute, à quelque niveau qu'elle soit, je pense que oui, effectivement, le monde agricole est en péril. Mais j'ose pas le dire. Franchement, j'ose pas le dire parce qu'il faut encore croire. Si on ne croit pas aux choses, ben, elles sont perdues d'avance. Les élus ne peuvent que donner un outil, mais après, voilà, il faut que quelqu'un prenne le marche et s'en serve. Quelque part, le fait qu'il y ait moins d'agriculteurs élus, eh ben, le message passe moins. En étant peu nombreux au niveau France, voilà, il y a des moments où c'est l'union qui fait la force, mais quand notre député a essayé de faire quelque chose pour les prix, garantir un prix minimum à chaque production, il s'est fait retoquer parce qu'il est arrivé avec son papier tout seul. « Eh, moi je défends les agriculteurs !»« Tais-toi !» Voilà. Après, le pouvoir d'un maire pour aider les agriculteurs, il est assez limité. Hein. Nous, on ne peut pas apporter d'aide directe, bien entendu. Tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer la structure des exploitations avec la voirie, en faisant des zonages forestiers pour éviter que la forêt envahisse sur les terrains agricoles, provoquer des restructurations foncières, etc. Après, au niveau de collectivités un peu plus grandes, comme la communauté de communes, on a un petit peu plus de possibilités. On a tout ce qui se fait en matière d'aide à l'installation, l'identification des futurs cédants et la recherche d'éventuels repreneurs. Et tout ça, bien sûr, en concordance avec les organismes agricoles. Il n'est pas question de faire ça chacun dans son coin, ça n'aurait pas de sens. Plus d'agriculteurs, l'enfrichement, la moitié de la population active en moins, plus de gamins, plus d'écoles, plus de commerce. Et c'est la spirale vers le bas. Comme une très rurale comme Novacelle, il n'y a pas grand besoin de faire quelque chose pour faire comprendre l'importance de l'agriculture. Tout le monde sait que c'est important, tout le monde sait qu'il y en a besoin, que sinon il y a la friche qui envahit et tout. Mais c'est vrai que dans des communes un peu plus grandes, si on regarde un territoire un peu plus grand, c'est une question qui se pose, oui. Comment faire comprendre l'intérêt de l'agriculture ? L'agriculteur lui-même a son rôle à jouer par rapport à la population. Je pense que si on sait se faire entendre de la société, je pense que c'est la société qui peut nous défendre. C'est pas nous tout seuls. Je veux dire, il y a un moyen de faire, bon, barrer les routes et être désagréable. Parfois, c'est quand il y a vraiment un ras-le-bol, je peux le comprendre. Après, la communication, c'est un moyen qui, à mon avis, est beaucoup plus efficace. Expliquer quelle est la détresse paysanne, expliquer ce qu'on fait en direction de la qualité, expliquer qu'on est en train de mourir à petit feu sur nos fermes parce qu'on est surchargé de boulot, que les annuités tombent et c'est quand même une profession où il y a le plus de suicides, je crois, ou du moins parmi les professions où il y en a le plus. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a beaucoup de célibat aussi dans la profession agricole. C'est quelque chose qui... Voilà, quand on se sent seul dans son travail, seul dans la vie, seul parmi la stratosphère, ça devient parfois intenable. Il faut ouvrir les portes de nos fermes pour nous faire reconnaître. Quoi. On est sur un territoire où il y a beaucoup de tourisme, malgré tout. Hein. Les gens aiment venir ici, vous avez vu, c'est tellement magnifique. Peu connu d'ailleurs, mais magnifique. Donc si demain, on arrête l'exploitation et qu'il n'y a pas de repreneur, rien du tout, qu'est-ce qu'on fait de nos terres ? Ah ben ici, les sapins, ça pousse, c'est super. Eh bien, on va planter. Mais qu'est-ce qui va rester de nos petits villages ? Qu'est-ce qui va rester ? Vous croyez que les gens vont venir à l'hiver voir des sapins ? Ben non, il n'y a rien qui va les intéresser. Qu'est-ce qui est beau chez nous ? C'est l'entretien de ces terres. Donc il faut qu'on puisse en vivre et que du coup, on puisse préserver les paysages. Ça, c'est le rôle de l'agriculteur. Mais les deux ensemble. Alors la retraite, pas tout à fait. Encore, j'ai 2 ans à faire, d'après ce qu'ils disent, si ça ne change pas. Et puis après, ben voilà, faut trouver un associé pour aider mon fils et pour pouvoir que je parte en retraite. Donc voilà, un associé dans la ferme sera le bienvenu.